Je m'appelle Raymond Poulain. J'ai commencé à avoir des problèmes il y a 7 ans de ça. J'ai fait des bronchites l'une après l'autre, souvent. C'est comme ça qu'on m'a. J'étais à l'hôpital et puis ils ont déterminé que j'avais My COPD. name's Jennifer, and I've been with you for 4 years, about 4 years. And before that, I was going to the doctor every 5 minutes because the COPD, I wasn't getting a grip on the medication, and it wasn't helping me as much as it should. I was over taking some of the Ça arrive parfois que j'ai des crises, j'appelle ça des crises, là, exacerbation, mais je sais quoi faire, je sais, on apprend comment, quand est-ce qu'on a besoin de prendre nos médicaments, nos pompes, comment s'organiser pour être capable de mieux dormir, surtout de ne pas paniquer quand ça t'arrive, parce qu'au tout début, tu connais pas ta maladie assez, et puis c'est un peu épeurant. Mais avec l'aide de COPD Clinique, les gens sont extraordinaires. Tu apprends beaucoup à connaître ton corps, à connaître qu'est-ce qui se passe avec tes poumons. Et puis, c'est vraiment, pour moi, ça a été quelque chose de gros parce que je pense que j'aurais eu vraiment de la misère à contrôler tout ça. Exercise classes were phenomenal, and even during COVID, it was a pleasure because we were isolated. All of us were isolated. It was a real nice out. I was living on my own, so I had nobody except you. And so that was my excitement for the week, is having these exercise classes. Otherwise, I'm sure I would have went off my noodle. Really. Pour moi, c'est la chose la pire parce que même si tu essaies d'expliquer, les gens comprennent pas. I tell them to get to their doctor, tell them about the COPD program and get involved with it because it does Sauf help. les sessions d'éducation au tout début, là, c'est ça que c'est. Tu dis, j'ai COPD, mais qu'est-ce que c'est? Avec le programme, tu apprends à savoir qu'est-ce que c'est. Puis c'est pas la fin du monde parce que quand ça t'arrive, tu penses, ben, si tu me sens, vas-tu mourir de ça ou quoi, tu sais? If you're offered somebody to help you, why wouldn't you take it? Why wouldn't you? Like, I could be dead, really, if I didn't have you guys.